On est parti. Angelica avec les Mongols. Et Lucifron avec les Français. Mista avec les Anglais. Et Matrix avec les Anglais. On open homme d'armes pour Matrix. Mais pas pour Mista. Mista avait open homme d'armes précédemment. Là, c'est pas le cas. Alors, Lucifron ne fait pas de camp de bois. Il démarre avec une tour défensive sur l'or. Parce qu'il a anticipé le play homme d'armes. Oh, il a failli laisser son éclaireur, hein, Lucifron. Il a vu venir le play homme d'armes, il l'a deviné. Pardon. Mais du coup, ça le ralentit en vrai. De son côté, Angelica n'a pas fait la caserne pour le tour rush. Ah, c'est trop tard, Limousine, le vote est terminé. Tu pourras voter pour la prochaine fois. On vote où? Il a, ça venait du cœur, ça. Le vote est terminé. C'est sous le chat, avec les points de chaîne. Donc du coup, l'homme d'armes va venir attaquer chez Angelica, qui a voulu faire une écurie finalement qui a annulé. Ah, l'homme d'armes va pouvoir faire du dégât ici, hein, sur l'or. Hein. On ramène les péons. On a l'or pour passer féodal, hein, donc du coup, on se prend pas la tête. Et on va peut-être perdre l'ovou du coup. Ah ouais, c'est chiant ça. Mais en vrai, Lucifron pourra ramener du chevalier dans pas très longtemps pour clean les âmes d'armes. Donc en vrai, ça devrait aller. Faut pas tuer aussi loin. Après, c'est dur de mettre les moutons en dessous du forum. L'ovou qui se fait attaquer. Bon, ça va être long à le tomber, l'ovou. Hein. De son côté, Mista a cliqué à l'âge suivant. Et de son côté, Matrix, on va cliquer. Lucifron, pareil. La salle de conseil se construit. Mista construit sa caserne de son côté. Ah, il y a Angelica qui va essayer de réparer. Les éclaireurs vont pas pouvoir tuer le péon, donc on peut réparer, on peut prendre le temps de réparer ici. C'est la finale du loser bracket, JPY. Après ça, il y a la grande finale. Le gagnant va en grande finale.
Donc on peut dire que c'est la demi. Merci Fabiop pour le follow. Tour défensive. Pour Matrix. Et Mystac a fait piquer Archer. Hein. Piquer Archer pour attaquer. Matrix qui joue homme d'armes. Il faisait quoi ce loup? Il faisait sa petite course matinale. On va venir attaquer le loup. Ça va forcer Lucifron à faire des archers peut-être, non? Ok, c'est Angelica qui fait les archers. Avec le vous. Mista qui recule. Il fait ses petites fermes à la maison. Bataille qui s'engage. Les chevaliers font mal. Aux archers longs qui sont lents. Après, il a forcé les deux à faire de l'armée. Dans ce temps-là, Matrix va sortir de chez lui. En fait, il n'y a pas de coordination entre Mista et Matrix dans cette game. Hein. Vraiment, la coordination, elle est pas ouf. Hein. Est-ce que là, Matrix il se prend une grosse charge de la part des chevaliers? On va aller sur les piquets. Qu'on n'a pas de mobilité. Et Angelica qui accumule les archers pour accompagner les chevaliers. Oh, les archers qui font demi-tour. Ah, c'est le moment pour les piquer. Ouais, petite erreur, hein. Il y avait un... On était en patrol et du coup, il y a un archer qui est passé. Et qui a tout dévié, ça nous coûte un chevalier. Il continue de faire ses fermes. Mista, il tech brouette. Elle nous refait un gros tas de fermes encore. Après, Lucifron a pas de deuxième forum. Ça, c'est bon pour Mista. La meilleure écho, là, c'est Mista. Après, Angelica aussi, mais ça compte pas les deux, Matrix et Angelica, vu qu'ils sont moins forts. Donc ce qui compte, c'est l'économie du Mista et l'économie de Lucifron. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'économie des deux plates, elle fait pas la diff à chaque fois. Il y a que le meilleur joueur, il y a que les capitaines qui arrivent à faire la diff avec l'écho. Beaucoup de piquets, beaucoup d'archers. À la maison tranquillement. Et il va cliquer château bientôt, je pense, Mista. Il a ça en tête. Hein. On va regarder. Ah, quoique, non. On va faire des murs, du coup. Oh, belle défense. Est-ce que ça va passer sur Bélier? Non, hein. On n'a pas ingénieur de siège. Hein. Matrix qui défend contre les chevaliers de Lucifron. Et Angelica va-t-elle réussir à attaquer? Les fermes de Mista sont bien positionnées derrière le forum. Mista ne stocke pas de ressources. Elle a donné sa position en attaquant la maison, c'est dommage. Ouh, joli carnage. Oh, Matrix, faut réagir là. Faut
Faut qu'il sépare piqué et archer en fait. Ouais, belle attaque ici de Lucifron et Angelica qui a fait des manques du die aussi pour tuer les piqués. C'est malin les manques du die. En vrai, c'est malin. Après, Mista est top score. Hein. C'est lui qui a le plus de ferme. C'est lui qui a le plus d'écho. Faut pas oublier que Lucifron n'est que sur un TC. Et un TC avec français, c'est peut-être dangereux. Hein. Il a 36 villageois, Mista. Lucifron a 39 parce qu'il est français. Mais l'économie anglaise, elle est meilleure qu'un TC français, je pense. Hein. Grâce aux fermes. Bon, il terminera la ferme au besoin. Ouais, Mista veut... Enfin, je sais pas ce qu'il veut en vrai. Il a beaucoup d'armées. Il y a 60 d'armées côté Mista et Matrix et pourtant ils subissent parce qu'ils ont pas la mobilité. Deux petits mongols qui sont très très chiants. Matrix qui arrive à chasser l'armée d'Angelica. On commence à avoir beaucoup. Hein. Lucifron qui vient sniper la prod. Et ils vont attaquer à deux. Ils ont tellement d'armées. Et du coup, à la maison, on a des problèmes. Est-ce qu'on a expert de siège? On est en train de le faire. Hein. Pour Mista. En fait, ils vont push. Hein. Ils vont push avec une énorme quantité d'armée en fait. Ouais, tu défends et à un moment donné ça attaque. Je pense qu'il faut pas perdre les piquets bêtement là. Est-ce que Matrix a fait, il a fait expert de siège? Non. Et Mista qui va chercher la tour directement. Angelica qui est château. Mais qui va subir. Et on passe sur homme d'armes. Homme d'armes de Lovu. Est-ce qu'elle va pouvoir accumuler les hommes d'armes? C'est ça la question. Pas sûr. Hein. Est-ce qu'elle a la protection perçage? Non. Hein. Les hommes d'armes vont prendre cher. Hein. Attention au chevalier ici. Mista qui est pas dessus. Il prend une grosse charge. Ah, il va la stopper. Ah, il l'a stoppé la grosse charge. Il perd trop ses piquets Matrix, c'est dommage. Grosse bataille. Je sais pas trop. Hein. Qui va la gagner celle-là? Lucifron qui recule. Lucifron qui fait un carnage avec les chevaliers. Oh, le cadet de Lucifron, il a 47 kills et 10 perdus seulement. Oh, il se fait tellement plaisir, Lucifron. On repositionne le vous pour Angelica. Ouais, chevalier qui commence enfin à tomber. Mais il n'y a plus beaucoup de piquiers, je crois. Après, les chevaliers n'ont pas beaucoup de points de vie non plus. Oh mon dieu, la violence. Bonjour Tradwin, merci pour ton 29e mois d'abonnement.
Ouais, Mista et Matrix qui push, qui push, qui push. Lucifron qui envoie 200 d'or à Angelica. Ah, les chevaliers font mal. Et les hommes d'armes qui tankent. Fini par repousser. Mais encore une fois, hein, Lucifron n'a qu'un seul forum. Hein. Et il a fait pro-scout. Hein. Il a ramené les cerfs sous le forum. Hein. Alors que l'économie de ferme de Mista, elle est solide. L'économie de ferme de Matrix, elle est solide aussi. Hein. Ils ont plus d'armées, 39-26, mais ici on a une armée qui est plus forte. Par contre, Mista a 1200 de bois. Monsieur, quand même, peut faire des fermes. Hein. Ah, il les fait les fermes. Il les fait les fermes. Ouais, Lucifron qui veut chercher les cerfs. Alors, il a fait. Bon, peut-être que vous avez oublié Proscout parce que ça fait longtemps. Qu'on n'a pas vu ça. Proscout, c'est ses technologies, elle coûte cher. Mais comme avec français, les techs sont 30% moins chers, bah, du coup, c'est cool. Et Lucifron qui envoie des ressources à Angelica hein, pour l'aider à revenir dans la partie, pour l'aider à faire des hommes d'armes. Parce que les hommes d'armes, ils en ont besoin. La clé, c'est hommes d'armes, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on recule hein, dès que on laisse les hommes d'armes tanker bien sûr. Ah, c'est tellement long à tuer les hommes d'armes, les chevaliers tombent en vrai. Mais les hommes d'armes c'est dur. Hein. Et Lucifron qui s'en va avec les cerfs. Avec les carcasses de cerf. Ah, ils ont tenu bon hein, contre hommes d'armes. Il hein. Y a plus de protection perçage. Hein. Oh, c'est incroyable. Hein. Oh, le spam. Il spam hommes d'armes piqué, Mista. Hein. Ainsi que beaucoup d'archers longs. Et il a le point de ralliement alors. Hein, parce qu'il va pas tarder à cliquer château. Là, il a l'économie pour spammer et cliquer château en même temps. Mais il va devoir reculer encore, je pense. Je pense qu'il va devoir reculer. Oh, Mangono. Ouh, oh, Mangono, c'est un problème. Il va peut-être faire tour blanche, Mista, du coup, non? Ah, il devrait peut-être faire des écuries pour avoir des cavaliers, hein. Pour aller sniper le Mangono. Oh, les trois piquets qui se sont fait effacer! Ils se sont fait effacer. Ils n'étaient pas en patrouille, du coup ils ont pas stoppé la charge. Ah, les hommes d'armes font trop mal. Les hommes d'armes font beaucoup trop mal. Mista doit faire un marché pour cliquer l'âge en fait.
1000 de bois. Faut vendre des ressources là. Là, ils prennent un dégât en fait, les hommes d'armes. Oh, s'il arrive à sniper le mongolo, il gagne du temps. Il va y arriver ou pas? Non, ça va réparer. Après, il gagne du temps. Il gagne du temps. Ah, les piquets qui prennent cher là. Toujours pas de passage château. Pour Mista. Des hommes d'armes qui commencent à faire la différence. Ils sont beaucoup trop résistants. Oh, la belle charge. J'avais dit qu'ils sont low HP. Hein. Il le one-shot celui-là, j'espère. Ok. Bon, heureusement. Il a un PV. Heureusement qu'il le one-shot. Ah, on n'arrive pas à le détruire. Est-ce qu'il va pouvoir cliquer château? Est-ce qu'il a un marché? Il rajoute des casernes? Regardez ce que fait, Lucifer. Il vient chercher les serres de Mista. Il vient lui voler les serres. Oh, la dinguerie. La dinguerie. Ouais, Mongono, homme d'armes, on rentre dedans. Ah, il fait pas de dégâts. Les hommes d'armes, c'est un contre des archers. Du coup, il fait ses propres hommes d'armes. Et ses hommes d'armes de l'âge sombre, du coup, c'est moins fort, mais... C'est déjà ça, hein. On fait du mieux possible. Il fait quoi de son côté, Matrix? En vrai, Matrix aurait dû sling Mista pour que Mista clique château. Parce que si Mista, il a l'écho pour faire beaucoup de chevaliers, pour faire des hommes d'armes améliorées. Donc, il aurait dû sling. Il a fait un deuxième forum, Lucifron, finalement. Et là, ça semble terminé. Hein. Le GG cool. En finale du loser bracket. Le double anglais n'a pas fonctionné. C'est Lucifron et Angelica qui vont aller en finale. Contre Cor et Gaius Julius César. Le mango qui dort. Bah, le mango, il a mis du temps à survivre. Enfin, il a failli mourir, je veux dire. Il a fait beaucoup d'efforts pour survivre. Laisse-le un peu se reposer. Je me demande économiquement... Ouais, Mista était bien économiquement. Ah, quoique en or, pas clair. Après, Lucifron, il faisait des chevaliers qui coûtaient cher. Mais... je pense que si Matrix avait donné des ressources à Mista à un moment donné, Mista aurait pu cliquer château. Et si Mista arrive château, il avait les fermes pour faire le taf, quoi. Après, pro scout, en vrai, c'est fort. C'était malin, hein, de la part du Sifron de faire pro scout. C'était super malin.